Bien, salut tout le monde. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Vous le sentez à ma voix que tout simplement je suis déçu euh, du système de communication du système marketing de Aniplex concernant le jeu de Kimetsu no Yaiba qui est pour Kingeki Royal. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, ils nous ont annoncé sur leur page Twitter ce matin sans. Comme par hasard sans préciser sur les autres pages sur les autres réseaux sociaux que le jeu allait donc être reporté pour les prochains mois prochaines semaines on sait pas en fait on sait pas j'ai renvoyé un mail il y a quelques temps de cela ils m'ont répondu que avant qu'ils fassent ce tweet ils m'ont répondu tout de même que même eux ne savaient pas quand est-ce que le jeu allait sortir je vais, je vais, je vais vous montrer le mail Enfin, de toute façon, il est sur la page de Kimitsu Noeba, vu qu'elle est, qu est gérée par moi-même et euh, tout simplement, comment il s'appelle, euh, Fufu Sama. D'ailleurs, allez abonner-vous abonne à sa chaîne. Euh, rejoignez également sur les réseaux. Et, euh, et voilà un peu ce que j'ai reçu le calendrier de, de, de livraison de de, de, de Bloody Swordman, donc de Demon Slayer. Pokémon Go Royal est actuellement indécis. Merci de votre compréhension. De plus, une fois que tous les détails seront finalisés, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment au final du jeu, donc euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Janvier, février, mars, euh, en hiver, euh, pre, euh, pendant l'hiver 2020, donc euh, d'ici mars, euh, d'ici fin mars, d'après ce que eux disent, on ne sait pas encore. Nous vous informerons en tout moment. Euh, sur le site officiel. Veuillez donc consulter le site officiel pour les dernières informations. Nous, euh, nous informerons le service en charge des avis reçus de nos clients sur demande. Merci sur vos premiers, euh, pour vos précieux commentaires. Après, euh, la dernière ligne, on s'en fout, c'est juste le fait. Votre arme comme vous servira de patronage. Bon, votre arme comme vous, c'est par rapport au katana dans, dans Demon Slayer. Bon. Et par la suite, en fait, on a tout simplement eu cette news euh, sur leur Twitter, Pff, que, que dire, réellement, que dire. On a vraiment été déçu de A à Z, euh, indécis, donc là, ce que vous lisez ici, c'est indécis, et là, on a partagé ça, on est vraiment déçu, on est vraiment déçu. Donc j'ai voulu m'informer davantage sur le système marketing et le système de communication concernant le jeu, concernant même euh, inf les informations générales concernant euh, que ce soit le manga, l'anime ou le film ou euh, les autres productions euh, d'Aniplex. Donc de ce qu'on a vu avec euh, Fufu, de ce qu'on s'est informé, c'est que tout simplement tout ce qu'ils font c'est calculer, c'est vraiment calculer d'avance. Concernant euh, le stock limité, concernant les derniers tomes qui font un ravage au Japon, euh, ils font ils font exprès de mettre des stocks limites pour tout simplement vendre da euh, vendre davantage sur plusieurs mois et rester dans le top euh, du jump, euh, dans le top du jump. <coughs> concernant le film, ils font que quelques diffusions, et ils ne laissent pas ça toute la semaine. Il faut précommander à l'avance. Euh, faut commander à l'avance vos billets pour le film et euh, tous les teasers qu'ils nous ont mis pour le film et sont juste incroyables. Qui plus est, après là, je résume juste ce que j'ai vu euh, les vidéos de Otakult qui est vraiment un très bon youtuber qui parle du V-Jump, des dernières news concernant les animés, le classement de Oricon. En institut, parle généralement d'anime et de manga du Jump et de Shoeisha Moi, ce qui me, ce qui m'énerve réellement, c'est que le fait qu'il soit euh, que derrière ce jeu, il y ait trois, tout simplement, trois entreprises. Donc, Aniplex, Soleil et Quattro A. Quattro A, qui euh, malheureusement, ont publié un jeu et qui, est, qui a fermé ses portes au bout de deux ans. Euh, Aniplex a produit Fate Grand Order. Fate Grand Order, euh, Order qui est Juste le meilleur jeu à l'heure actuelle, enfin qui fait un top tendance, euh, ou sinon qui est exé qui est éco avec euh, Dokkan Battle ou DB Legend. C'est vraiment le, le. Il est vraiment dans top 2, top 3 des meilleurs jeux, euh, des meilleurs jeux au, euh, en, dans la communauté anglophone et japonaise. Chez nous, il n'est pas disponible malheureusement, donc on ne peut pas avoir notre avis euh, proprement là-dessus. Mais malheureusement, on ne sait pas plus. On sait qu'ils qu ont eu d'autres jeux qui ont bien marché, d'autres jeux qui ont fermé. Parce que Quattro A a développé ce jeu, mais c'est Aniplex qui l'a produit. Je parle de, de du jeu qui a, qui a bidé euh, en... Si je dis pas de bêtises, c'était en euh, C'était en début 2020. Et donc euh, Je suis juste. Euh, je suis juste déçu. C'est vraiment de la, dé, de la déception. On est en train de, de, de sortir des théories de fou pour essayer de, de deviner une dette alors que c'est impossible. Aniplex, ils ont, ils ont leur propre système. Comme vous l'avez vu dans, dans le dans mail, ils sont en train de finaliser, mais ils ne veulent rien préciser. Ils ne veulent rien préciser. C'est quand même indécent de leur part et vraiment très osé parce que trois entreprises tel que que Soleil Soleico alors Soleico je dis même pas Shinobi Striker Samurai Jack euh, d'ailleurs Shinobi Striker qui continue de marcher hein, qui fait de, de bons résultats dans les ventes que ça soit sur PC que ce soit sur euh, que ça soit sur Play il fait de très bons résultats Donc, très bons résultats de, de ventes euh, f... voilà, je vraiment déçu, déçu de, de leur euh, de leur communication au point de, de nous dire une semaine avant de quitter le jeu, de enfin avant de que la que l'année soit finie, ils nous disent que le jeu se termine, le l'annonce de la sortie du, du jeu et et reste tout simplement indécise. Donc euh, que dire? Que dire réellement que dire on est déçu on est déçu traduction on va changer un peu la langue parce que là c'est pas ça j'ai en plus là euh, aujourd'hui je me réveille 6 heures je vois je vois un message euh, je vois un message que soi-disant le jeu n'est pas euh, n'est pas disponible alors imaginez vous l'angoisse on voit la notification de, du jeu j'ai Enfin, je me suis dit, enfin une bonne nouvelle, enfin une bonne nouvelle, mais en fait non, en fait même pas, c'est quoi, bonne mauvaise nouvelle en fait, c'est une nouvelle, Alors, on se dit, ah c'est cool, ils ont pensé à nous, et dès, dès, dès qu'on voit le tweet, malheureusement, ben rien du tout en fait Donc, euh, ces travaux devraient être livrés. Enfin, le jeu devrait être livré d'ici 2020, mais nous avons décidé de reporter le délai de livraison avant, afin d'améliorer euh, encore la qualité des travaux, la qualité du jeu, les graphismes, les gameplays, etc. Nous nous excusons sincèrement pour tout in inconvénient causé à tous ceux qui attendent le jeu depuis, euh, depuis le début. Enfin, qui attendent le, le début de la distribution, donc euh, depuis euh, depuis le début. Euh, de, de, en sachant que qu'on attend depuis janvier, enfin depuis mars plus précisément, mais le jeu a commencé à être développé, puis le projet a été a commencé à être développé depuis janvier. Euh, nous continuons à, à le développer euh, afin de pouvoir livrer des œuvres que tout le monde puisse apprécier. J'espère concrètement que ça que, que niveau que niveau gameplay, ils vont nous envoyer du, lire, du lourd et que ça soit un équilibre pour le pour les cash players autant que pour les cash players que pour les pour les joueurs free to play sachant que euh, qu'on qu a déjà eu un jeu de ce type là mais qui a été fait par Bandai je vous le rappelle pas c'est One Plus Bunchy Rush qui a eu une première version et qu'une semaine après qu'ils soient livrés ben, ils ont fermé les serveurs pour ils ont fermé les serveurs pour quoi, une bonne année neuf mois si je dis pas de bêtises neuf mois dix mois voire un an pour nous pondre un jeu full PVP en fait et malheureusement euh, le jeu a bidé sur les premières semaines voire les premiers mois et là il commence un peu à, à remonter j'espère que, que, que la nouvelle version de Swordman enfin de de Kimetsu noeba, ne, euh, ne sera pas euh, de la même envergure que One Peace Bunchy Rush donc euh Théorie sur théorie, il euh, y en a qui disent qu'il sortira en janvier, d'autres qui diront qu'il qu sortira euh, en mars ou en février. Il de... y en a qui disent que tout dépend hein, des ventes des, euh, de l'anime, du film et euh, des mangas. Si S'ils si attendent que, que la hype, enfin que, que les ventes baissent, que les statistiques baissent concernant les êtres animés. Euh, enfin concernant l'anime et euh, le film et, le et les ventes de, du manga baisse, cest ben, ça veut dire qu'il faudra attendre quoi, je, 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 au plus tard euh, au plus tard en été prochain. C'est abusé, ça ça a pas de sens, ça a vraiment pas de sens. 22 décembre ils nous balancent une news comme ça, c'est vraiment très très bas de leur part. De toute façon je vous tiendrai au courant, je leur envoyé pas mal de mails, j'attends de, de retour. Des retours, même si je sais qu'ils vont mettre plus ou moins une semaine avant de me répondre. Désolé pour ce manque de news. Nous, nous enfin, nous, les youtubeurs et les ceux qui, qui récupèrent les infos, on ne peut pas faire plus. On est limité sur le nombre d'informations qu'on peut donner. On travaille pas avec eux, malheureusement. Et qui plus est, c'est une boîte japonaise. Leur système marketing et de, et de communication est très, 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 très mauvaise. Et ils arrivent quand même à, à, à nous décevoir et, à, et en même temps à garder de la hype, même si au fond de nous, nous on est frustré que le jeu ne soit pas sorti. Euh, on était tous vraiment. Euh, on était vraiment. On était vraiment euh, déçus. Je, je me répète, hein, mais on était déçus. On voulait qu'ils qu sortent au moins pour fin, fin de ce mois-ci. Mais bon. Donc voilà, je vous ai résumé un peu euh, ce qui se passe autour de ce jeu, des, euh, de ce de qu'il y aura, euh, on verra. Sur ce, ciao, lâchez un maximum de pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne, suivez-nous sur les réseaux, Gimme Royal, de toute façon tout est dans la barre de description. Et dites-moi ce que vous pensez de, de leur façon de faire à Aniplex et à 4A, histoire de, de voir un peu comment ça se déroule. Je vais quand même vérifier un peu le site de Quattro A. Donc, news. Même Quattro A, ils n'ont rien publié sur leur site. Hein. Malheureusement. Donc, voilà. C'est tout pour, euh, pour ces infos. Sur ce, allez, ciao. Prenez soin de vous, tout le monde. Ciao, ciao.